Le coordonnateur de Katumbi, c'est lui mon choix, KCM, ASBL qui soutient la candidature de l'ex-gouverneur du Katanga à la présidentielle de décembre 2018, n'est pas resté indifférent face au missile du secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, contre Moïse Katumbi. Papi Mbaki dit être content de voir Ramazani Shadary faire la pré-campagne de son candidat. C'est triste de voir Shadary prendre la place des juges. Mais ça nous réjouit de voir Shadary faire la pré-campagne de notre candidat. Moïse Katumbi reviendra au pays et sera candidat, a-t-il déclaré. Dans une interview accordée à la Radio France Internationale, Ramazani Shadary avait affirmé que Moïse Katumbi, en voulant tout gagner, il a tout perdu, et qu'il sera bientôt condamné. La réaction de Papi Mbaki, fondateur de KCM, est intervenue à l'occasion d'une messe d'action de grâce organisée samedi à Kinshasa pour rendre hommage aux victimes de récentes marches pacifiques du CLC, ainsi que pour la libération du coordonnateur de l'ASBL Katumbi, c'est lui mon choix, KCM. Papi Mbaki avait été arrêté il y a peu pour avoir détenu les effigies de Moïse Katumbi. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com.